Je vais quand même peut-être juste présenter en deux mots ce qu'est la revue Ebisu, hein, qui a eu le plaisir de publier, grâce à Corinne et Sylvie et à tous ses auteurs, ce numéro spécial sur les architectes. Alors, la revue Ebisu, étude japonaise, existe depuis à peu près 20 ans. Hein, elle a été créée, même plus de 20 ans, je veux dire, presque 30 ans même, le temps passe vite. Elle a été créée en 1993. Et elle publie des textes en langue française, c'est-à-dire des articles, des traductions et des comptes rendus d'ouvrages dans le domaine des études japonaises. En fait, c'est une des deux revues d'études japonaises. Il y a Sipango, qui est surtout, disons, qui est surtout basée donc à l'INALCO, et il y a Ebisu. Actuellement, il n'y a plus que deux revues d'études japonaises. Alors, c'est une revue qui privilégie la pluridisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales, avec surtout des dossiers thématiques, mais aussi parfois des varia. Alors parfois, c'est des numéros thématiques, entièrement thématiques, comme le numéro sur les architectes. Parfois, c'est des numéros où il y a un dossier plus des articles varia. Alors les numéros spéciaux, en général, reflète le domaine de spécialité des chercheurs qui sont présents, des chercheurs, ce qu'on appelle les chercheurs pensionnaires, hein, qui sont présents à la maison franco-japonaise. Mais la revue Ebisu Études japonaises a aussi la chance de bénéficier de l'apport de partenaires fidèles. Et c'est là que je peux vraiment remercier Sylvie Brosseau et Catherine Thirionneau de nous avoir proposé ce numéro. Déjà à l'époque, avant mon arrivée, hein, ce numéro avait été décidé déjà avec Cécile Sakai, hein, qui était là avant moi. Et le résultat est absolument magnifique. C'est vraiment un numéro qui a su concilier, je trouve, exigences scientifiques et plaisir de lecture des articles de chercheurs, des articles d'architectes, lorsque les auteurs ne sont d'ailleurs pas architectes et chercheurs en même temps. Alors, je trouve que c'est aussi un numéro important car l'architecture a toujours une place particulière au sein de la japonologie. Alors, on sait bien que certains éminents japonologues sont aussi architectes, mais en plus, je constate qu'un nombre non négligeable des doctorants, hein, qui suivent les séminaires de la maison franco-japonaise, hein, les séminaires mensuels, hein, destinés donc aux étudiants en études japonaises qui sont présents au Japon, un nombre non négligeable de ces étudiants qui suivent le séminaire et font des présentations sont des étudiants architectes. Donc, on a quand même assez souvent des étudiants architectes présents qui présentent leurs travaux et ce qui montre en quelque sorte le dynamisme des recherches en études japonaises et en études architecture. Enfin, je voudrais souligner le fait que le réseau Japarchi a vraiment une relation de partenariat de long terme avec la maison franco-japonaise, puisque régulièrement nous avons des événements co-organisés, mais qui sont dans les faits surtout organisés en fait par Japarchi. Nous offrons en général les locaux. Malheureusement, actuellement, on ne peut pas tellement le faire, mais j'espère que ça va revenir très vite. Et puis, nous pouvons aussi offrir donc notre expertise webinaire, puisque actuellement nous ne sommes qu'en webinaire malheureusement. Voilà. Alors je voudrais aussi terminer en disant qu'un nouveau numéro va sortir sur les 10 ans de Fukushima et de la triple catastrophe, parce que c'est pas seulement sur Fukushima en fait, c'est sur la triple catastrophe, hein, tsunami, tremblement de terre et catastrophe nucléaire. Et ce qui me permet de passer la parole à Amigra Zegrou, qui est donc secrétaire de rédaction d'Ebisu, la cheville ouvrière de notre revue, et qui va aussi dire quelques mots. Alors moi, j'aimerais juste ajouter quelques mots en complément de ceux de Monsieur Bernard Thomann sur la spécificité du numéro et ce qui en fait un numéro un peu particulier par rapport à ce qu'on fait habituellement chez Ebisu. Il y a deux points dont j'aimerais vous parler. Tout d'abord, le lexique qui se trouve à la fin du dossier et qui regroupe trois catégories, donc les noms d'architectes et d'agences, les noms d'opérations et une dernière catégorie englobant ce qui n'entre pas dans les deux premières.
Ce lexique a bien sûr demandé beaucoup de travail de la part de toute l'équipe. Tout d'abord, il a fallu donc aller chercher les définitions données par les auteurs à droite à gauche, les regrouper, ce qui a pris énormément de temps. Ces définitions ont été complétées par Sylvine et Corinne, les responsables du dossier. Une fois qu'on avait cette base de données, il a fallu aller mettre un renvoi à chaque occurrence, dans chaque article. Donc, c'était un travail plutôt chronophage et un peu laborieux, hein, mais qui a abouti donc à ce lexique qui est, je crois, quelque chose qui n'existait pas dans ce domaine et en tout cas dans cette forme, c'est-à-dire en ligne et en libre accès. Nous avons été très chanceux de travailler avec Monsieur Pierre André, donc Monsieur Pierre André qui s'occupe de la mise en ligne des Bissous sur le site Open Edition, que je remercie car comme vous l'avez peut-être remarqué, il a créé des liens en fait à chaque occurrence, donc des liens qui renvoient depuis un article qui renvoie directement vers l'entrée dans ce lexique. Et merci à lui donc pour ce travail. Le deuxième point de difficulté qui me vient à l'esprit, c'est le nombre important d'images qui figurent dans ce numéro. Alors, pour information, avant, donc quand Ebisu était une revue papier imprimée, on était limité à 12 images par 12 figures par article. Donc, le passage à un format électronique a permis de ne plus être limité de ce côté-là. Et pour ce numéro, donc, c'était un peu particulier parce que c'était la première fois qu'on dépassait autant la barrière des 12 figures par article. Alors, par exemple, on peut citer l'article de M. Olivier Mestre qui comporte 40 figures. L'article de M. Yann Nussom et de M. Benoît Jacquet avec 49 figures quand même. Donc tout ceci a demandé bien sûr un énorme travail de mise en page puisque je m'occupe également de la mise en page dans Ebisu, que j'étais bien sûr ravie de faire et encore plus maintenant quand je vois le résultat donc, de ce numéro 57 d'Ebisu qui est officiellement donc, le plus long numéro d'Ebisu jamais publié avec 492 pages. Et pour finir, donc, j'aimerais remercier Sylvie Brosseau et Corinne Thierry-Honor, les responsables du dossier, pour leur implication, leur bienveillance et leur savoir-faire. Et merci également à tous les auteurs du numéro pour leur travail et pour la patience dont ils ont fait preuve pendant l'élaboration du numéro. Alors, donc, on va suivre l'ordre des auteurs du numéro, puisqu'il y avait quand même une certaine, on a essayé d'introduire une certaine logique dans la construction du numéro. Donc, je vais laisser la parole à Benoît Jacquet et Yann Nussom. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette réunion. Et au passage, quand je regarde les gens qui participent, je retrouve certaines personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Et ça me fait plaisir quand même de leur dire un petit mot, comme Sendai Shoichiro, de Joie qui est sur la ligne. Et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, et ça me fait plaisir de voir. Je vois qu'il y a aussi Marc Dillet et un certain nombre de personnes. Donc voilà, je veux dire bonjour aussi à Manuel, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Voilà. Alors, par rapport au numéro, bon, comme tout le monde, je tiens à vous remercier, que ce soit Corinne ou Sylvie, de nous avoir permis de pouvoir y participer. C'est déjà une grande chance de pouvoir. Je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. J'avais vu qu'il y avait des publications un peu sur ce sujet-là qui commençaient à sortir et je pense que vous avez permis de construire une réelle contribution d'une très grosse richesse. Après, en lisant les différents articles des personnes, alors j'ai trouvé dans chacun d'eux de nombreux points qui m'ont semblé très pertinents. Alors, je vais reprendre quelques-uns parce que c'est difficile de parler de tous. Alors, il y a d'abord Funosuji. Alors, Funosuji, je l'ai eu comme enseignant. Alors, aussi, ça me fait plaisir de le retrouver. Et il y avait un point qui m'a paru intéressant dans le travail de Funosuji, c'est effectivement l'évolution de la notion du métier d'architecte en allant vers cette idée peut-être d'un métier peut-être plus collaboratif. Peut-être, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'ai extrapolé par rapport à ce qu'il disait, c'est peut-être une vision de l'architecte un peu moins moderniste comme on a pu avoir, peut-être une vision d'un architecte un peu moins artiste, et peut-être c'est une question effectivement qui se pose. Alors évidemment, ça c'est mon extrapolation de l'article de Funosuji, c'est peut-être pas exactement ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir à cette idée-là que j'ai trouvée très intéressante et très riche, et aussi très bien documentée dans son article.
Après, il y avait l'article de Yuki Kuala, que je ne connais pas, j'ai eu la chance de connaître. Et dans son article, il y a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais il y a un point que moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question effectivement de la diffusion d'Internet, de la question des smartphones, de la mondialisation. Je pense que c'est un point très très important, effectivement, sur cette évolution de cette période de l'architecture. Ça nous questionne de nos jours, effectivement, en tant qu'architecte, comment on peut faire autrement une architecture différente qui va prendre en compte ces données-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, ce n'est pas propre au Japon, je dirais, c'est propre un peu à ce qui se passe un peu partout dans le monde. On est ici et ailleurs, je dirais. Et donc, c'est, je pense, un point très important sur l'évolution de cette période, avec, comme ça a été, je crois, signalé aussi par Funosho Jim et aussi Yuki Kuwala, sur le fait que la question du dessin sur ordinateur est quelque chose qui s'est vraiment accéléré dans cette période et qui change la façon de concevoir, de penser l'architecture, de la dessiner. Et c'est des points qui se touchent, là encore, le Japon, mais pas que le Japon, je dirais. Après, il y a dans l'article d'Olivier Mestre, alors il y a la question de Toyo Ito. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu sur Toyo Ito il y a quelques années grâce à Manuel Tardit. Et effectivement, la question de l'influence de Toyo Ito sur toute une nouvelle génération, c'est là aussi, je trouve, un sujet important parce que ça fait évoluer la question des détails, de la manière de Alors, dans son article, moi, j'ai noté l'importance, alors encore c'est une extrapolation peut-être, de l'importance de l'évolution de la question de dessiner certains détails. Et effectivement, peut-être qu'il y a une génération avant, on était plus dans l'architecture, je dirais, tout béton. Et là, on passe vers un travail de sensibilité, une subtilité du détail, un effacement pour moi du détail qui est lié peut-être à la génération Toyo Ito, mais aussi ce que souligne surtout Olivier Mestre, parce que peut-être que les détails, c'est mon extrapolation, mais ce que souligne Olivier Mestre, effectivement, c'est la manière de composer l'architecture. Et là-dessus, effectivement, je vois une réflexion qui me fait penser aux recherches qu'on peut mener, Lucan, sur la façon de repenser autrement la manière de composer. Je ne sais pas si le mot composer est très, très juste pour le Japon et pour ses architectes, mais c'est une manière de faire autrement. Et je pense que c'est vraiment un sujet très, très, très intéressant. Et cet article ouvre de très, très nombreuses pistes sur ce sujet-là. Et moi, en tout cas, je tiens à féliciter ce travail, que je trouvais passionnant. Après, il y a la question de l'influence des architectes japonais sur leur présence en France. Ça, c'est un sujet aussi que je trouve très, très intéressant. C'est comment on est passé, effectivement, de cette venue d'architectes en France qui sont venus à travailler. Alors, c'est l'article de Salvatore John Liotta et Aya Jai Erli, je suis désolé si je me trompe dans la prononciation des noms. Et là, j'ai trouvé que pour moi, ça m'a fait réfléchir effectivement sur comment on vient dans un autre pays, qu'est-ce qu'on peut apporter. Ce n'est pas facile, hein, parce que bon, moi, j'ai la chance de travailler avec Antoine Sobo, qui est un architecte qui a participé à la construction du Louvre de Lens, avec Sejima, qui a aussi travaillé avec Toyo Ito sur l'hôpital Kyonyadjé. Et souvent, quand je discute avec lui, je m'interroge sur effectivement comment il arrive à retransmettre comment il arrive à construire des détails d'architecture que souhaiteraient ces architectes japonais, en sachant que la réglementation en France est très différente. Donc, je pense que ce transfert, essayer de comprendre ces transferts, essayer de comprendre comment on arrive là, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi il y a eu, au cours de cette période, peut-être une accélération. Il semble assez clair que, bon, après la crise au Japon, il y a une nécessité d'aller chercher ailleurs autre chose, un autre type d'architecture. Non, pas d'une autre architecture, d'aller chercher ailleurs d'autres pistes de travail. Donc, que ça soit en Chine, à Taïwan ou en Europe. Et je pense que c'est vraiment très juste de se poser ces questions et d'essayer de le développer. Voilà, alors après, bon, évidemment, il y a les deux témoignages de Manuel Tardit et François Bizet qui nous permettent, moi, je trouve, de bien rentrer dans la situation japonaise, de bien la regarder de l'intérieur. Et ça, c'est pour moi toujours très riche.
Alors, par rapport à notre article à nous qu'on a fait avec Benoît, et là, moi, je tiens vraiment à remercier Benoît pour tout le travail qu'il a fait, parce que, en fait, bon, ce travail de cet article, et en fait, il part d'un travail de recherche que j'ai fait pour ma thèse, où j'avais analysé, en fait, deux architectes, Shin Takamatsu et Tadao Ando, et essayé de comprendre comment pouvoir ces deux architectes si différents à l'époque, entre Shin Takamatsu et Tadao Ando, à une même période. Et les années passant, je m'étais dit, c'est dommage, j'ai publié des choses sur Tadao Ando, mais je n'ai jamais rien publié sur Shin Takamatsu. Et ce numéro était quelque part un peu la chance de pouvoir essayer de développer quelque chose. Après, maintenant, moi, je suis un peu loin du Japon. Et pour arriver à faire un travail qui soit, je trouve, assez scientifique, j'ai eu la chance que Benoît, qui a travaillé avec Shin Takamatsu, qui a été dans son laboratoire, accepte qu'on fasse cet article ensemble. Et je tiens vraiment à le remercier, je tiens à remercier tout le travail qu'il a fait. Au milieu de l'article, vous nous avez demandé d'aller faire des interviews de Shin Takamatsu. En fait, ça paraissait très compliqué pour moi, de France, d'aller là-bas. Et donc, toute cette aide et tout cet apport et tout ce recul qu'a pu amener Benoît dans cet article, c'est une grande richesse pour moi. Et je tiens vraiment à le remercier infiniment. Je vous remercie en fait vraiment beaucoup, Sylvie, Corinne, mais aussi Bernard Thomann, Cécile Sakai, Amira, pour avoir édité ce numéro qui est fabuleux. Et on s'en rend compte quand on doit le relire pour cette table ronde. C'est vrai que le format électronique fait que dope beaucoup ce genre de dossier, puisque effectivement le numéro de page, le numéro d'article n'est pas infini, mais peut être beaucoup plus important que si on est sur du papier. Donc on s'en rend compte, en fait, on a l'impression qu'on est un peu comme sur un millier de plateaux, pour reprendre l'expression de Leuzienne, et chaque article peut partir comme ça, peut se développer de manière un petit peu plus libre. J'ai remarqué que donc il n'y a pas 1000 plateaux, il y en a plutôt 3. Le premier est composé d'articles qui sont plutôt sur des questions sociales, socio-économiques et aussi des aspects législatifs, notamment ceux qui sont développés par Funo Shuji, qui vont vraiment fonder en fait cette nouvelle ère de l'architecture qui vient après une longue période Showa. Une ère qui aurait été beaucoup plus longue si l'empereur n'avait pas démissionné. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'avais un peu des doutes sur le fait d'écrire un article sur cette ère qui me semblait vraiment très proche. D'ailleurs, quand on a interviewé Takamatsu sur le sujet, il démarrait un peu sur une blague, l'ère essai, mais est-ce qu'elle est terminée? Ah oui, c'est vrai, c'était l'année dernière, ou il y a quelques mois. Donc, effectivement, on manquait peut-être un peu de recul, mais on se rend compte qu'il y avait déjà beaucoup de travail en cours dessus, et notamment ce dossier que vous avez traduit, donc ce dossier édité par Kuala, qui est en fait une mine de renseignements extrêmement intéressante, notamment parce qu'il est publié par des architectes et chercheurs japonais, donc avec un point de vue qu'on connaît peut-être un peu moins en lisant des sources en langue occidentale, comme le font beaucoup de chercheurs occidentaux. Et donc voilà, sur les trois plateaux, il y a un premier plateau qui traite des relations socio-économiques et législatives, un deuxième sur des architectes créateurs, donc j'irais plutôt sur la création, c'est une vision peut-être un petit peu plus classique des études architecturales, notamment celles que l'on connaît dans les écoles d'architecture française, donc qui sont plus liées au départ aux Beaux-Arts. Et puis un dernier plateau, illustré par Manuel Tarditz et Monsieur Bizet, sur des aspects plus narratifs, donc sur la narration peut-être. Je sais que je connais le goût de Manuel pour la littérature. J'imagine que celui de François Bizet est au moins aussi important, puisque c'est plus son domaine, même si Manuel est un architecte qui écrit et qui parle beaucoup. Donc voilà, moi, sur ces plateaux, il y a quelques points sur lesquels je vais un peu plus insister. Sur le premier, donc les aspects sociaux, je pense qu'on voit que l'architecture va se développer aussi dans d'autres secteurs qui sont quelque part
au-delà des études classiques de l'architecture, donc notamment le développement de la recherche, qu'on voit notamment à travers le témoignage de Moula Matsushin, que j'ai côtoyé quand j'ai fait mon postdoc dans le laboratoire de Fujimori, Fujimori et Moula Matsu, qui a eu une carrière exclusivement liée à la recherche. Donc, ce qui, à mon avis, était assez rare il y a encore une cinquantaine d'années. Une recherche qui va aussi toucher donc d'autres départements que le département d'architecture, puisque elle est aussi liée à l'urbanisme, au développement de l'Asie, de l'Asie. On a aussi donc, comme on le voit dans l'article de Founeau, ce rapport aussi à d'autres secteurs comme le développement communautaire. Et puis un aspect dont on parle et dont on ne parlait pas du tout avant, c'est la rénovation. Donc dans une histoire de l'architecture japonaise qui était quand même beaucoup liée à la destruction, à la reconstruction, on voit apparaître à partir des années 90-2000 des architectes, notamment des jeunes architectes qui font de la rénovation. D'ailleurs, une question qu'on avait posée à un architecte d'une autre génération, donc Takamatsu Shin, qui lui ne fait pas de rénovation, parce qu'il, comme il le dit, il a pas le temps d'en faire. Donc on voit voilà, qu'il y a aussi de jeunes architectes qui s'intéressent à ces questions qu'on connaît en Europe depuis beaucoup plus longtemps, qu'on pratique depuis beaucoup plus longtemps. Alors, pour finir, parce qu'on n'a que 5 minutes, j'ai lu tous les articles avec beaucoup d'intérêt, certains comme... celui de Salvatore, même en premier, puisque je connais Salvatore, je connais depuis assez longtemps. J'ai découvert donc, des architectes que je ne connaissais pas, comme Tane Tsuyoshi, parce qu'étant moi-même au Japon depuis 20 ans et suivant assez peu cette Tane est en fait, d'après ce que j'ai compris, un architecte qui s'est révélé en France, un architecte japonais qui s'est révélé en France, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Et puis, alors, dans l'article d'Olivier Mestre, je l'ai lu avec intérêt, j'avais quelques petites questions, donc ça me permettra d'enchaîner sur sa présentation, puisque je crois qu'il est juste après nous. Olivier Mestre, vous parlez beaucoup des personnes qui ont travaillé chez Ito et puis qui ensuite sont devenues indépendants. Vous n'avez pas parlé de Hirata Akihisa, qui a été chez Ito entre 1997 et 2005, et qui, à mon sens, était vraiment un chef de projet important, et qui est devenu en 2015 professeur à l'école d'architecture de l'université de Kyoto. Donc voilà, je voulais vous demander s'il peut éventuellement rentrer dans votre démonstration. C'est vrai que c'est une génération, alors un des points que vous avez rappelé qui me semble très important, c'est une génération sans mots, comme disait Fujimori. Donc on a une nouvelle... de nouveaux architectes qui se font connaître non pas par leur discours ou par leur texte comme Isozaki, Tange, etc., mais uniquement par de la représentation, et c'est ce que vous avez étudié très en détail et admirablement. Bon, sur la question plus spécifique de Hirata, effectivement, les disciples, on pourrait dire, de Ito sont très nombreux, mine de rien, et il y en a beaucoup qui ont fait une carrière tout à fait intéressante et qui est digne d'intérêt et de recherche. C'est vrai que je me suis un petit peu limité, surtout pour le besoin de cet article, à une lignée plus directe qui est celle qui est la lignée des Pritzker, on va dire. Donc bien sûr ça mettait de côté un certain nombre de noms. Une chose aussi qui peut-être a fait que Hirata soit pas dans les noms que je cite dans l'article, est le fait que son utilisation de la représentation est un tout petit peu moins un tout petit peu moins spécifique, évidemment, que la Sakomuti, comme n'importe quel architecte, elle rentrait un tout petit peu moins dans mon récit, on va dire. Sachant bien que, en tout cas, mon ambition ici n'était pas du tout d'être exhaustif en termes de description de toutes
les personnes qui pourraient rentrer dans certaines catégories. C'était plutôt une lecture, disons, clairement et assumée comme étant restrictive et un peu spécifique. Mais bien sûr, Kiratin fait partie des successeurs de Ito, au même titre que plein d'autres noms que je n'ai pas non plus cités dans mon article. Qu'est-ce que je voulais dire déjà un peu en termes de réponse? Oui, je trouvais intéressant que Yann Nussom, vous citiez Lucan. Je ne sais pas si vous étiez au courant que c'était mon directeur de thèse, mais enfin, si je suis disciple de Lucan, bon, force est d'admettre ou de constater que je ne peux pas le renier. Et c'est ce qui fait aussi que je... Oui, bien sûr, bah, j'ai un héritage que je peux même revendiquer avec plaisir. C'est ce qui fait que à la lecture de votre article, alors moi j'étais passionné parce que vous racontez sur Takamatsu, parce que c'est un architecte qui m'a toujours fasciné mais que je n'ai jamais vraiment compris, donc d'avoir un article un peu monographique sur lui m'a vraiment spécialement intéressé. J'ai été frustré par le fait que vous permettiez pas un regard aussi intéressant, critique, analytique sur les périodes les plus récentes. Vous avez commencé par ça, Monsieur Jacquet, de dire, ben, vous le mettiez aussi dans votre article, la proximité de la fin de l'ère empêche d'avoir un recul scientifique suffisant. Donc là, bon, pour le coup, je me refais disciple de Lucan, mais je trouve un peu dommage que les scientifiques, enfin les historiens, les gens, les architectes qui posent un regard intelligent sur l'architecture s'interdisent assez souvent justement de porter un regard sur l'architecture contemporaine ou vraiment au sens le plus strict possible, c'est-à-dire vraiment l'actualité de l'architecture. Et je trouve que la critique architecturale est un domaine qui des fois s'essouffle un peu justement par cette retenue de se dire on n'a pas assez de recul donc on ne peut pas porter un regard critique. Je trouve un petit peu dommage. Enfin bon, votre article était particulièrement intéressant. Évidemment qu'il y a cette, de mon point de vue, un peu de monomaniaque de la présentation, le Takamatsu avec ses dessins ne pouvait que m'intéresser. Ce que vous en dites, ce que vous lui faites dire aussi, puisque vous avez cet entretien particulièrement intéressant, et d'un grand intérêt. J'ai une question qui m'est venue en lisant aussi votre article, c'est le fait que beaucoup des illustrations qui complétaient votre texte étaient sous-titrées tel bâtiment construit telle date, démoli à telle date. Alors évidemment, je suis conscient du fait que l'espérance de vie d'un bâtiment au Japon est très très limitée, mais on aurait pu se dire que dans le cas de Takamatsu, son ambition à faire des monuments pouvait peut-être un tout petit peu le sauver de cette tyrannie du renouvellement continu. Et comme il semble que ce ne soit pas le cas, je me posais un peu la question, de manière presque un peu ironique, mais de se dire, est-ce que ce n'est pas un peu une sorte de constat, pas d'échec, mais enfin, est-ce que le caractère qu'il voulait conférer, qu'il veut conférer à la plupart de ces constructions, de ces bâtiments, en tant que monument, n'arrive pas, justement, n'est pas lu par les propriétaires des bâtiments en question suffisamment avec suffisamment d'importance pour justement les préserver avec cette idée quand même un peu de pérennité que implique, me semble-t-il, la notion de monument. C'était une question ouverte. Je voulais aussi parler un peu de mon coup de cœur, qui est le texte de François Bizet. J'ai été vraiment spécialement touché et passionné par ce que vous écrivez au sujet du musée de Teshima. Aussi pour des raisons peut-être un peu personnelles, enfin un peu autobiographiques, mais c'est vrai que d'avoir su retranscrire cette visite avec les termes qui sont les vôtres, mais enfin il y avait une sorte de résonance avec ce que j'avais pu moi-même expérimenter, comme c'est un bâtiment, enfin, un lieu qui se visite, parce que bon, on a beau regarder des plans et des coupes, ça ne dira absolument rien de ce bâtiment, enfin ça dit des choses évidemment, mais ça ne dira pas l'essentiel de ce bâtiment. C'est le cas pour tous les bâtiments aussi, mais enfin celui-là en particulier, et j'ai trouvé évidemment intéressant cet aspect de témoignage, votre qualité d'écrivain qui
qui ont fait aussi un objet littéraire, vraiment, mais aussi par le fait que votre texte est, selon moi, en tout cas, un essai critique. J'imagine qu'il y a aussi un peu cette ambition-là. Et quand je parlais de critique architecturale, moi, je trouve que votre texte est un magnifique exemple de critique architecturale sur un bâtiment vraiment assez récent. Alors que maintenant, ça commence, il y a presque 15 ans, mais je trouve que cette façon de porter un regard intelligent sur un objet architectural comme ça, comme vous le faites avec autant d'érudition, etc., m'a vraiment passionné. J'ose une comparaison, je ne sais pas si ça vous... Enfin, si vous l'accepterez ou vous trouverez, vous ne reconnaîtrez pas, mais moi j'ai pensé à Corbeau, André Corbeau, j'imagine comme on dit à Paris sûrement, par le fait que vous êtes très légèrement en dehors de la discipline stricte, vous n'êtes pas architecte, et je trouve toujours intéressant ces regards légèrement extérieurs, mais qui ont une connaissance très approfondie des questions urbaines et d'architecture. Je trouve qu'il y a une richesse de ces regards. Enfin, bon, vous m'avez fait penser à André Corbeau. Donc, merci à vous, vraiment, pour ce texte. Je ne sais pas à quel point je suis trop long. Enfin, je vais juste dire deux mots sur les traductions en français des textes des auteurs japonais. Je ne sais pas si on a le droit de confesser ici que je suis vraiment très, très mauvais lecteur. Enfin, je ne suis pas capable de lire un texte en japonais un peu sérieux, plus qu'une liste de courses et je ne sais pas quoi d'autre, un roman de gare. Donc, je suis ravi de tomber sur des très bonnes traductions en français. Aussi par le fait qu'une traduction en français du japonais, me semble-t-il, garde toujours un peu du charme du japonais. Et que, bien sûr, avec une langue aussi éloignée que le français, ou qu'une langue européenne, bien sûr, tout n'est pas... on ne peut pas tout transmettre dans le texte, mais il y a des sortes de façons de s'exprimer, il y a des façons de poser les choses, aussi une façon de réfléchir, quoi, qui est aussi un peu due à la langue. Alors, ça n'enlève pas les spécificités des auteurs, hein, on peut aussi lire grâce à ces très bonnes traductions. Mais enfin, voilà, ce charme, ce plaisir de lire des bonnes traductions en français et du japonais, je voulais le souligner ici. Vous dire encore que le texte de Salvatore Giugnotta et de Aya Jazayeri m'a beaucoup intéressé, puisque c'est des questions qui se posent dans pas mal d'autres pays européens. Du point de vue suisse, évidemment, tout le long de l'article, j'ai dit, tiens, on pourrait faire presque le même article en se posant la question de ce qui se passe en Suisse, puisque vraiment, les architectes de renom, des architectes de renom japonais construisant en Suisse, il y en a beaucoup, et je pense qu'en proportion au territoire suisse, je pense qu'on a une longueur d'avance sur la France à ce niveau-là. Il y a des échos qu'on pourrait, ça donne envie de faire une sorte de remake suisse de votre article. Et puis enfin, last but not least, Manuel Tarditz, j'ai déjà dit que j'appréciais la forme du témoignage, je peux le dire aussi à votre sujet. Là aussi, je peux juste un peu, comme il est très... très fourni et qu'il y a énormément de choses dans votre article, je vais pas en faire une recension, mais juste dire qu'il y a quelques éléments d'anecdotes qui m'ont plu aussi, parce que bon, ça menait un petit peu de l'eau à mon moulin, mais le fait que vous aviez été surpris d'apprendre que Ito était de la quatrième génération, c'est vrai que d'entendre ça, c'est tout le temps surprenant du point de vue européen, et que quand on touche un tout petit peu au monde culturel japonais, de comprendre à quel point ces filiations sont importantes, prégnantes et encore d'actualité, me semble-t-il. Confirme un tout petit peu mon propos, donc j'en suis ravi. Après, il y avait des sourires, des critiques de fin de semestre avec Maki et Hara, le Tsugi, on passe au suivant et on dit presque rien d'autre. Je pense que
tous ceux qui ont pu côtoyer le monde académique japonais ont eu des expériences similaires. Donc voilà, c'est toujours assez drôle, mais aussi intéressant de voir ces convergences. Voilà. Et puis comme vous le faites très bien, je ne vais pas conclure particulièrement, mais donner la parole au suivant. En fait, je retiens deux remarques. Il y a la question du monument, en fait. Effectivement, c'est assez remarquable, c'est qu'on voit que les bâtiments de Takamatsu souvent ont été démolis assez rapidement. Et par exemple, le bâtiment de Saint-Ats, quand j'étais au Japon, j'étais très jeune étudiant, et je m'étonnais en fait de savoir qu'on puisse construire Saint-Ats, le bâtiment Saint-Ats, dans le nord de la ville de Kyoto, en sachant qu'il y avait quand même des architectures à droite, à gauche, et je trouvais que ce bâtiment pouvait finalement assez choquer d'un point de vue français, parce que bon, à l'époque en France, moi j'arrivais à être une éducation, on nous avait appris à prendre en compte le contexte de droite, le prendre de contexte de gauche, et donc de pouvoir, c'est ça le bâtiment Saint-Ats, donc de pouvoir construire ce bâtiment dans le nord de la ville, ça me paraissait un peu incroyable. Et j'avais un camarade de classe qui m'avait dit, oui, mais bon, tu sais, ce bâtiment, il ne va pas durer éternellement. Et puis, c'est un peu prétentieux de croire qu'il va le rester. Et que c'est si important de ça, l'architecture. Et finalement, 20 ans après, je crois, je ne sais pas exactement, le bâtiment, il est démoli, il n'existe plus. Et donc, à partir de là, je pense que la notion même de monument, comme on peut la comprendre effectivement chez nous, et comme on peut la comprendre au Japon, est assez très, très différente. Et ce que vous pointez, en fait, comme point, c'est cette différence, en fait. C'est que ça n'a pas le même sens. Je pense que chez Takamatsu, l'idée de monument, c'est de créer quelque chose qui dégage une puissance. Je ne suis pas certain que dans son idée, ça soit un bâtiment qui reste pour l'éternité, construit en tout cas. Je pense qu'il y a cette idée qu'il dégage pendant un certain temps une puissance, une force. Et que là, ce qu'on touche, en fait, c'est la différence même de la notion de monument. Et voilà, donc je pense que ça, c'est un point important. Et donc, vous pointez, je pense très justement, la différence de la notion même de ce que peut être le monument et dans le sens même d'un architecte, c'est qu'il peut dire, moi, je veux faire un monument. Alors, on se dit, ah, il veut faire un monument comme on l'a fait chez nous en France. Mais je pense que ce n'est pas ça. Il veut les faire comme il le comprend, lui, dans le sens de sa notion de monument. Après, il y a un deuxième point, c'est la question de la critique. Alors ça, c'est un point très intéressant. On en a beaucoup parlé avec Benoît. C'est, on peut aimer, on peut ne pas aimer l'architecture de Takamatsu. Mais nous, on ne s'est pas posé cette question-là. Et moi, quand j'ai fait ma thèse, il y a très longtemps, il y a eu beaucoup de critiques de la part de mon professeur à l'époque, qui trouvait que franchement, ce n'était pas nécessairement l'architecte qu'il fallait mettre en avant. Peut-être qu'il pensait qu'il n'y avait pas assez de recul, mais je pense que ce n'était peut-être pas que ça. Et effectivement, c'est un architecte qui est souvent assez critiqué. Il y a des personnes qui lui reprochent ce qu'il a pu dessiner, etc. Mais nous, on ne s'est pas posé cette question-là. On s'est mis en recul. On est aussi, en tant qu'architecte, finalement, on s'est dit qu'il faut quand même être capable de le dessiner, ces projets-là. C'est des projets qui ont quand même énormément de qualité, des qualités au niveau du détail, des qualités de la puissance. Après, on aime ou on n'aime pas. Et la question, pour nous, elle ne s'est pas posée, en fait. Elle ne s'est jamais posée comme ça chez nous. C'est simplement de dire, voilà, on prend l'exemple d'un architecte qui a eu une énorme production à la fin des années 80. Et qu'est-ce qui se passe justement avec le problème de la bulle? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne pourra pas reproduire ces mêmes types de bâtiments par la suite? Et donc, comment il va devoir s'adapter? C'était ça, c'était dans ce sens. Alors après, est-ce qu'il fallait critiquer? J'ai senti, nous on a toujours senti un petit peu quand on faisait cet article, qu'on aimerait bien qu'on soit un peu critique sur la production. Et avec Benoît, mais je crois que je vais laisser la parole à Benoît, nous on a toujours cherché à ne pas l'être. Parce qu'on a quand même, même si on peut aimer ou on ne peut pas aimer, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même un énorme travail derrière ça.
Voilà. Je me permets quand même d'intervenir, parce que alors, ce n'est pas dans ce sens-là que j'entendais la critique, c'est-à-dire ce n'était pas la question du jugement de valeur, de savoir si effectivement on aime ou on n'aime pas. Non, c'était vraiment… en fait, ce que vous faites dans la première partie, enfin dans votre article, hein, vous faites, selon moi, un travail de critique, c'est-à-dire d'analyse intelligente, avec quand même un point de vue, même si vous le voulez assez… comment neutre ou je ne sais pas avec retenue, mais j'entends pas critique j'aime ou j'aime pas ou je critique au sens commun du terme. Je dirais vraiment au niveau de l'analyse d'un bâtiment. Critique dans le sens d'analyse, la critique ça n'a rien à voir avec le fait de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En effet, ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question, mais c'est en effet faire une analyse pertinente, riche, intelligente, comme vous le dites, à la fois des productions, de leur situation et de cette production aussi graphique qui est très, très impressionnante. Mmh. Oui. Pour répondre à la question de comment ça se fait qu'on conçoit des monuments et qu'en fait ils ne soient pas éternels, en fait, c'est simplement que, premièrement, pour répondre simplement, ce ne sont pas des monuments, ce sont des bâtiments commerciaux. Donc ça, c'est la raison principale pourquoi ils ont été détruits, contrairement à des monuments qu'on forcément ne va pas détruire tout de suite puisqu'ils sont là pour marquer un temps. Takamatsu parle de monuments, veut faire une architecture qui va marquer son époque. Mais il a des clients et il conçoit des bâtiments commerciaux. Donc, si on regarde sa production, en fait, il a eu beaucoup de commandes privées jusqu'à une certaine époque. Et puis ensuite, en devenant professeur dans une grande université nationale, il a aussi gagné des concours, il a aussi des commandes publiques. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a montré dans l'évolution de sa production. On a beaucoup parlé des années 90, parce que ça, c'était aussi la thèse de Yann. Yann a écrit quelque chose, puis ensuite m'a contacté en me disant ce serait bien qu'on l'interviewe et puis qu'on regarde aussi un petit peu ce qu'il fait maintenant. Donc la deuxième partie de l'article est plutôt sur des questions qu'on lui pose et puis qui nous ont ensuite aidé à réécrire un petit peu la première partie de l'article. On a peu traité ce qu'il fait dans les années 2000, donc on a plutôt présenté, enfin plutôt jusqu'au début des, quand même jusqu'au début des années 2000. Donc voilà, juste pour répondre simplement, il y a eu une démarche poétique et très créative chez Takamatsu, mais la différence entre la fiction et la réalité, c'est que on a beau dire que le bâtiment est un monument, si c'est un bâtiment commercial, il est lié au marché et donc. Quand le magasin marche plus, on le ferme et on passe à autre chose. Voilà. Oui, si je peux me permettre très, très rapidement, enfin, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, là on se focalise sur l'article de Benoît Jacquet et Yann Hussaume à propos de Takamatsu. Moi ce qui m'a vraiment frappé dans cet article, c'est qu'on comprend très très bien dans une première partie sur la période faste, flamboyante de la période de la bulle, voilà, Takamatsu quand même arrive à inscrire une écriture architecturale forte, une identité extrêmement forte, qu'on apprécie ou pas, mais c'est pas la question effectivement, mais que à partir du moment où justement il y a l'éclatement de la bulle, qu'on rentre dans une période de crise ou de stagnation économique avec d'autres types de commandes, finalement, moi, ce que j'ai vraiment perçu, c'est que chez un architecte comme Takamatsu, il y a une espèce de dilution de l'expression architecturale. On sent qu'il cherche des nouvelles pistes d'écriture architecturale, mais qu'il n'arrive pas à retrouver cette espèce de fusion parfaite entre l'époque de la bulle et l'écriture architecturale. Voilà, donc moi j'ai trouvé, c'est pour ça que je disais que dans mon introduction, que cette période de l'RAIC a été très déstabilisante pour certains architectes japonais. C'est que pour moi, typiquement, Takamatsu, c'est un architecte qui n'a pas, qui a été déstabilisé par ce qui s'est passé en termes socio-économiques au Japon.
si on met côte à côte les dessins de Takamatsu, leur matérialité, à côté des représentations graphiques que nous montre et nous décrit Olivier Mestre, on a vraiment une idée de ce qui s'est passé à cette époque. Hein. On passe de quelque chose donc, qui est très très fort, très puissant matériellement, graphiquement, à cette évanescence, à quelque chose qui devient de l'ordre du pointillé. On en fait de moins en moins et toujours moins, et sans couleur, sans matière. Ça, c'est très intéressant de le voir, de juxtaposer justement ces deux travaux, ces deux types de travaux. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Shin Takamatsu, j'étais à l'université, j'étais encore à l'école d'architecture. C'était mon premier concours. Shin Takamatsu était président de jury pour Shinkenchiko. Mais après, j'ai vu que je n'avais plus entendu parler de Shin Takamatsu. Donc, revoir effectivement ce qu'il a fait, c'est très intéressant. Et pour rebondir sur ce que dit Corinne dit justement Shin Takamatsu était peut-être affecté par l'éclatement de la boule, mais clairement il n'y a pas d'architecte qui sont nés dans ces éditions. On le voit dans ces diagrammes aussi qui nous montre Olivier Mestre. Il n'y a pas des architectes qui sont nés après 89. Donc tous les architectes qui rentrent dans l'ère Heisei ou rentre jeune, ou il rentre un peu plus âgé. Peut-être c'est le cas de Shin Takamatsu. Et Shin Takamatsu, justement, il fait une chose pour moi, et c'est peut-être, je la pose comme question ouverte. Toyito parle clairement de problème des architectes japonaises à faire une architecture, avoir un rôle social fort dans leur société. Le premier article de Funo aussi parle de ça, du rôle des architectes dans la société. Donc Shin Takamatsu n'arrive pas à faire de l'architecture pour la société et donc il s'invente une manière peut-être de faire des monuments, donc de participer à l'architecture, publique, mais en faisant des centres commerciaux. Donc il y a une ambiguïté, mais il y a aussi une nécessité, celle de pouvoir participer à être des architectes avec un rôle social, qui c'est celle que les architectes métabolistes peut-être avaient essayé de faire. Donc moi je vois aussi cette un peu critique dans le travail de Shin Takamatsu. Lui, il n'arrive pas à faire de l'architecture publique pour différentes raisons, parce que le rôle des architectes a changé, parce que les poids de vision des architectes a changé, malheureusement, à faveur des grands icônes qui ne sont pas intéressés à la théorie, mais sont plus intéressés peut-être à la construction. Et donc, on voit ça. Ça me remet un peu dans la critique que nous faisons dans notre article. Pourquoi les architectes japonais, effectivement, ont nécessité de partir ailleurs? On l'a dit dans notre article, on a dit qu'effectivement, quand nous regardons l'architecture aujourd'hui très médiatisée des jeunes architectes japonais, on voit surtout une production liée à des maisons. Et donc, il n'y a pas la possibilité, malheureusement liée à la construction du marché japonais, de pouvoir accéder à la commande publique. Et donc, et ça, c'est quelque chose que s'est détériorisé il y a 50 ans, 60 ans. Mais bon, ça reste dans notre article. Après, si j'ai fait un petit tour avec Kaya, on s'est partagé, on s'est dit que moi, je ferais plus un petit tour de tous les articles. Kaya parlera plutôt d'un article en particulier. Nous avons trouvé formidable l'article de Funo Shuji. Quelle belle histoire pour arriver à l'RSA, mais comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans tout le XXe siècle. Il y a une très belle histoire. Voir cette charte de la NAU, voir que l'architecture doit être pour le peuple, qui sait un peu ce qui reprend la loi de l'architecture en 1977 ici en France. Donc il y avait encore cette histoire que l'architecte avait un rôle social. Après, cette collection d'articles que vous avez fait de Kuo Arayuki, moi je le trouve formidable parce que vraiment il y a des pépites, il y a des touches vraiment
des discours liés à l'économie, des discours liés à la technologie. Cette histoire de dire, bon, avant le RSA, encore on dessinait à la main, et on l'a vu dans l'article d'Olivier Maestre, l'importance aussi de dessiner à la main et comme il devient un peu évanescent, parce que c'est peut-être dans l'air du temps, commencer à utiliser des ordinateurs, effectivement, c'est un signe de temps. Et là, c'est très intéressant de voir comment la technologie impacte aussi la production des ateliers, d'architectes indépendants, mais aussi des écoles. Donc ça, c'est aussi un thème que nous avons trouvé très fascinant. Et après l'interview avec le directeur de Casa Brutus, à nouveau, les architectes, ils ont perdu un peu un pouvoir d'impacter sur la société. Et il arrive à cette magazine qui commence à s'intéresser aux architectes et les transforme un peu dans des personnes qui ont encore quelque chose à dire sur la société, même s'il s'agit de maisons. À nouveau, il y a ce thème de la maison et pas de l'architecture publique. Donc là aussi, nous avons trouvé cette interview hyper intéressante, voir comme les mass médias effectivement ont joué un rôle. Et il n'y avait plus une intermédiation avec les institutions, c'était vraiment les clients et l'architecte en direct. Et ça, dans cet article, nous avons vraiment apprécié cette raconte de comment effectivement, quand on pose cette intermédiation entre un client public et un architecte, qu'est-ce qu'on pourrait réinventer. Et après 30 ans, nous voyons qu'effectivement, Casa Brutus avait anticipé ce que nous retrouvons aujourd'hui dans l'architecture japonaise, et au Japon, et l'architecture japonaise qui essaie de s'exporter à l'étranger. Après, Olivier Maestre disait un numéro sur l'architecture japonaise en Suisse. Il y a beaucoup d'architectures suisses, des architectures faites par des architectes japonais effectivement en Suisse, mais je ne sais pas s'il y a des architectes qui se sont installés effectivement en Suisse à travailler. Et ça, ça revient au même discours de dire c'est quoi l'environnement. Quelles lois ont permis effectivement quelle structure sociétale du marché du travail, du marché public a permis aux architectes japonais effectivement de s'installer en France. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des parallélismes effectivement possibles. Et après, nous avons beaucoup apprécié le travail de Manuel. Manuel, pour moi, c'était comme dans son plan. Non, il nous raconte pourquoi rester, pourquoi y aller, mais il nous raconte aussi une chose très belle que j'adorais, qui c'est, non, ils sont comme sa chambre au Japon, comme il nous montre cette pièce de vie, et moi je rentre dans cette pièce de vie et je retrouve des choses que j'ai déjà vécues, mais c'est vraiment un raconte personnel sur non, longueur de temps, et qui nous raconte quand il était chez Maki, quand il était sa maillot éthique, donc sa manière de faire de la pédagogie. Il y a vraiment des chapitres très intéressants qui composent son architecture. C'est un témoignage que je trouve vraiment très, très intéressant. Après, sur le travail de François Bizet, sur le musée de Téchy, moi, je rejoins ce qu'il a dit, Olivier Maestre. C'est fascinant. On a un témoignage direct et on a vraiment tout. On a la géographie, on se pose la question sur les volcans. On a l'impression de revivre de manière poétique, effectivement, à travers un projet d'architecture, l'expérience au Japon. Et le travail de Yann Nossom et de Benoît, vraiment, ça nous permet de redécouvrir un architecte qui est absolument rentre dans l'RSA adulte, déjà comme un architecte confirmé, mais il est d'une certaine manière effacé parce qu'il n'était plus peut-être au niveau médiatique très intéressant pour continuer à s'interroger sur lui. Et donc, c'est vraiment super de voir ces choses. Après, le lexique aussi était nécessaire vu qu'il y avait toute cette intersection entre les différents articles. Il y avait des choses qui se répétaient, des mots qui se répétaient. Donc, avoir vraiment un lexique qui nous permet d'accéder à des mots-clés qui font partie de tous les autres articles,
nous l'avons retrouvé vraiment très intéressant. Et après, c'était très, très, même s'ils sont 500 pages, c'est un numéro fabuleux, magnifique. Ils sont 500 pages, nous les avons lus, nous avons vraiment lu les articles et ils nous ont plu parce que c'était une manière de revoir. On est tous passionnés du Japon, on a passé du temps, on a consacré des années de nos vies à étudier au Japon, d'étudier le Japon, l'architecture japonaise, la société japonaise, à vivre au Japon. Il y a encore parmi les intervenants aujourd'hui pas mal de personnes qui sont encore au Japon. Nous, à la fin, moi je suis revenu en Europe, en France, et vu qu'il me manquait le Japon, nous avons continué un peu à dire mais qu'est-ce qu'il y a des Japonais en France? Donc c'est une manière de mieux comprendre. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous parle et qui tout l'article, tout est dessous est vraiment magnifique. Ça, c'est de mon côté. Je partage le plaisir, comme Salvatore a déjà dit, d'avoir écrit et rédigé cet article avec l'équipe d'Ebisu. Et en fait, c'est un truc qu'on a déjà parlé, Salvatore et moi, c'est qu'on a toujours vu notre article de notre point de vue. Alors, de parler de Ban, Kuma, Fujimoto et Tane. Et là, quand on lit tout le numéro, c'est vraiment impressionnant de pouvoir voir tous ces sujets de votre point de vue. Alors, pour sa direction, pour mettre tous ces sujets ensemble et aussi l'intersection de tous les sujets. Alors, on a dû éditer quelque part dans notre article pour que ça devienne une partie de tout le numéro. Et là, on voit tout ce logique et c'est vraiment impressionnant. Alors, je partage tout ce que Salvatore a déjà dit des autres articles, mais j'aimerais bien parler de ce numéro en fonction du temps, alors du passé, du présent et du futur. Alors du passé, cette question de périodisation de l'ère Heisei est un peu est quelque chose qui est mentionné dans l'introduction, et aussi Benoît a parlé de ça. C'est un peu en référence à l'ère Meiji qui a défini le rôle d'architecte au Japon. Et dans ce cas, c'est l'ère Heisei est plus affectée par des événements internationaux plus que japonais. Alors, en tant que passant de ça au présent, alors le changement du rôle d'architecte dont l'article de alors, dans plusieurs articles, on parlait, c'est le changement pour pouvoir travailler ailleurs, surtout en Europe et au Moyen-Orient, et aussi pour ce en ce qui concerne les projets de restauration et les projets de communauté. De ce point de vue, j'aimerais parler de quelques sujets dont notre article n'a pas parlé. Et j'ai trouvé que c'est un peu c'est lié au futur, alors au présent et futur, ce qui concerne les sujets d'écologie. Et le sujet de l'éducation au Japon et ailleurs. Alors, on a parlé un peu dans l'ère Meiji, comment l'éducation occidentale est venue au Japon pour définir ce rôle bien occidental de l'architecte au Japon. Mais la question est posée pour le futur, quel rôle les universités japonaises
fait pour, dans le futur des architectes. Dans notre article, on a parlé de nombre des étudiants qui fait l'architecture et ce ratio des architectes envers la population au Japon qui est plutôt large. Et au fait, c'est une question qui est ouverte à nous tous pour la définition du rôle d'architecte au futur. Alors, spécifiquement en relation avec the climate crisis et l'éducation. Je vais d'abord faire comme tout le monde, je vais remercier. oui, d'ailleurs, je note qu'il y a une personne qu'on oublie toujours de remercier, mais c'est Amira, Amira qui a, je pense, beaucoup travaillé et œuvré à ce numéro spécial. Donc, bien sûr, Corinne et Sylvie, mais aussi, je dirais, Amira, un trio féminin. Et bravo, donc. On se congratule un peu les uns les autres. Je pense que c'est la loi du genre, mais je crois aussi, c'est surtout que ce numéro, d'abord, parce qu'il est très important en taille, et parce qu'il y a beaucoup d'articles de format et de sujets très différents, on brosse quand même un panorama assez important du Japon de ces, disons, 20-30 dernières années. Et donc, en ce sens-là, il est intéressant parce qu'il montre d'abord beaucoup de choses. Il y a les visions panoramiques, ou presque de fresques, de Funoshuji, celle qui est un peu moins fresque, mais qui est toujours dans le panorama ou les grands thèmes, celle de Kuhara Yuki. Alors, ce sont, en fait, brusquement, ce sont les intervenants japonais, en fait, hein, parce qu'il y a des Japonais et des Français qui écrivent, et les deux Japonais, en fait, Kuhara Yuki, elle fait plutôt un assemblage de différents articles qui ont été traduits en français, d'ailleurs joliment traduits en français. La traduction, comme a dit tout à l'heure Olivier, est importante, hein, elle est bien exécutée, c'est agréable. Et donc ces deux visions très panoramiques, qui retracent un peu l'RSA. Et d'ailleurs, Funo nous dit qu'effectivement, bon, on l'a découpé un peu comme ça, mais c'est une découpe un peu artificielle. Il y a ce qu'il y a avant et c'est lié à la RSA, puis il y a ce qu'il y a après qui est toujours lié aussi à la RSA, donc ce n'est pas non plus une découpe complètement, la découpe de l'ère impériale n'est pas forcément celle de l'architecture. Bon, elle est quand même pratique. Donc, ces deux grandes visions panoramiques, et puis donc, je dois dire que dans le florilège d'articles de Kuhara, il y a celui de Muramatsu m'a fait sourire, il est plein d'humour, il est assez drôle, avec des titres genre « Oh là là », donc c'était assez amusant, d'autant plus que par ailleurs, c'est pas du tout ce qu'il raconte n'est pas du tout léger, donc c'était assez amusant. C'est, je dirais, plus un peu rare de voir des articles à la fois drôles, qui parlent de fond et qui en même temps le montrent de manière amusante. Ensuite, je dirais que, comme disait, ce que disait tout à l'heure Benoît, il y a des plateaux. Moi, je dirais qu'il y a plutôt deux plateaux, les deux grandes fresques, disons, faites par nos deux collègues japonais, et puis les articles français qui, tout en étant très variés, sont plus des articles un petit peu plus, je dirais pas pointus, mais plus précis sur certains sujets et qui varient. Alors celui de Salvatore et de Aya est effectivement aussi une fresque, mais dans l'autre sens, une fresque, disons, je dirais presque française. Sans ça, c'est donc des points parfois très importants. Pour parler du celui de Benoît et de Jacquet et de Yann Nussom, ce qui m'a intéressé, je ne raconterai pas ce qui a déjà été dit, parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites sur cet article, ce qui est quand même frappant, c'est moi, quand je suis arrivé ici il y a une trentaine d'années, très souvent, pour me faire un peu d'argent, et parce que ça m'amusait également, je pilotais des groupes d'architectes français, alors, une quinzaine, une vingtaine de personnes, et il y avait toujours des demandes qui émanaient de ces groupes au départ, des choses qu'on leur fait découvrir, qu'ils ne connaissent pas, puis il y a des demandes qui viennent du fait qu'ils connaissent les médias et qu'ils ont lu, et il y avait toujours, c'était un must, il y avait Takamatsu. Il y avait Ando, bien sûr, il y avait Takamatsu, c'était quelqu'un qu'on devait aller voir. Toujours, aujourd'hui, plus personne ne demande jamais Takamatsu, il est remplacé par d'autres gens. Ando, si, donc ça pose aussi le rapport des médias, je ne pense pas que ce soit
Je ne pense pas que ce soit lié à la qualité de Takamatsu. On peut aimer ou ne pas aimer, comme ça a été dit, mais je pense aussi que le rôle des médias est important dans l'appréciation que l'on a des uns et des autres, des œuvres des uns et des autres. Et celle de Takamatsu aujourd'hui disparaît, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il disparaît au profit de noms plus nouveaux. Et il n'est pas plus âgé que Ito ou que Rondo, hein. C'est plus, des gens qui ont plus ou moins le même âge. L'article d'Olivier Mestre, bon, il était en quelque sorte très, si je puis dire, très frais, très amusant, parce que d'abord, il me parlait de choses de gens que je connais. J'avais juste deux petites choses, mais une qui a été dite, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de certains des disciples ou de certaines des personnes, des nombreuses personnes qui ont côtoyé Ito. Il a bien expliqué pourquoi, qu'il avait un propos et qu'il s'y tenait. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont côtoyé ces lignées et qui s'en sont éloignés, si je puis dire. Pas tous, tous les gens qui ont travaillé avec Ito ne sont pas restés, disons, des gens liés à la personne, oui, mais pas forcément liés à la pratique et à la façon de pratiquer l'architecture. Donc, ça pose effectivement le problème des lignées et puis des gens qui s'en éloignent. L'article qui est très beau, très bien écrit, ça, tout le monde l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec ça, de François Bizet sur le magnifique, effectivement, bâtiment, je ne sais pas si c'est un bâtiment, la magnifique œuvre sur les îles. Le bâtiment est très très beau, l'œuvre est très belle, et le texte est très beau aussi, lui rend très bien hommage. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, François Bizet n'est pas architecte, donc c'est agréable de voir aussi qu'on n'est pas uniquement des bâtiments d'architecture, ce n'est pas uniquement un bâtiment d'architecture, c'est une œuvre, un duo, et décrite à la fois en termes d'architecture, en termes qui dépassent l'architecture, et c'est très agréable à lire. Et en même temps, donc c'est pour un architecte, c'est également très, 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 très parlant. Donc ça, je trouve ça très bien qu'il y ait ces éclairages différents. Le dernier que je citerai, c'est celui de... Ah non, non, il y a celui d'Olivier Mestre. Oui, je disais une deuxième chose, c'est une question, il pourra y répondre. C'est très précis. Il parlait entre autres du traitement dans ces choses très filiformes qui apparaissent avec des gens comme Sana, des rapports à l'Okoshiezu, qui sont ces maquettes en papier que faisaient les Japonais autrefois pour représenter les pavillons de thé essentiellement. Je pense aussi qu'il y avait aussi les Itazu, qui sont la façon dont les charpentiers représentent sur des plans, juste avec une ligne et un point, des bâtiments qui peuvent être par ailleurs très compliqués, et on l'est dans le point et la ligne, des choses extrêmement, extrêmement sobres, qui à mon avis, sans que ces gens-là le revendiquent jamais, mais qui peuvent avoir à mon avis une influence sur la façon de représenter des gens qui sont cités dans l'article de Olivier Mestre. Et puis, donc, je terminerai avec l'article de Salvador et Aya. Et je pense que c'est... moi, l'article m'intéressait. Au début, je me suis dit, bon, il prend quatre grands noms. Enfin, Tané est moins connu que les autres, mais il prend des gens très connus. Ils sont deux. Et en même temps, je trouve que c'était très bien. On comprenait... C'était pas uniquement un article pour dire ce sont des gens formidables qui ont fait des bâtiments formidables. C'était... pour arriver à comprendre, et c'est très précis, c'est en ce sens-là que c'est un article intéressant, la façon dont chacun des quatre se liait son rapport avec effectivement le Japon et l'Occident, la façon dont le Japon est vu par les Occidentaux, et pourquoi eux réussissent et souhaitent réussir en Occident, et par ailleurs, sans rester dans des choses très conceptuelles, disons, qui lient japonité et occidentalité, mais aussi les points très précis des carrières de chacun. Comment chacun a géré de manière extrêmement concrète son rapport avec l'extérieur, comment gérer sa carrière, en fait. Et donc, je trouvais ça intéressant, à la mesure où on ne restait pas, disons, à un méta-level qui serait celui de la japonité, l'Occident, mais aussi, très concrètement, comment chacun, avec des arguments très précis, qui sont donc... en général lié aux interviews qu'ils ont fait, et ça, c'était, je pense, c'était très bien. Voilà, donc je remercie également tout le monde, et je pense que donc la variété des articles donne vraiment pas mal d'ampleur à ce numéro, non seulement la taille, mais aussi la variété.
Voilà. Et la question donc de l'enseignement actuel de l'architecture, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Bon, je ne veux pas dire toutes les. Je n'enseigne qu'à Meiji. Et puis bon, effectivement, j'ai été étudiant à Tokyo. Et puis j'ai des collègues dans d'autres universités. Et effectivement, alors deux choses. Une qui n'est pas complètement liée à la question, l'autre qui est une forme de réponse. Ce qui n'est pas lié à la question, c'est que je pense, mais Salvatore en a un peu parlé, je ne suis pas très optimiste, peut-être parce que je vieillis, on ne sait jamais, hein, on ne s'en rend pas compte, mais en vieillissant, on est peut-être parfois plus, un peu plus triste par rapport au peu de temps qui vous reste, mais j'ai l'impression que le futur de l'architecture japonaise n'est pas rose pour les architectes. Il est rose pour les grands bureaux d'études, il est rose pour les grandes compagnies, il ne l'est pas pour les bureaux d'architecture du genre Ando, Ito, etc. Alors, il y aura toujours des gens comme ça, mais il y aura beaucoup d'autres gens qui auront, je pense, de plus en plus de mal à en vivre. Je prends un exemple qui est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, en général, c'est plutôt une façon dont les pays mettent en œuvre effectivement une sorte de vision de leur pays et font appel aux architectes, puisqu'on y construit des tas de bâtiments. Et là, en l'occurrence, à part Kuma, c'est une exception quand même importante avec le grand stade. Tout le reste n'a été construit que par des grands consortiums japonais, à tel point que Ito Toyo, que je connais bien, me disait il y a, je sais pas, 2-3 ans, il disait, mais vous vous rendez compte que dans les Jeux Olympiques de 64, le Japon n'avait fait appel qu'à des architectes et dans leur quarantaine, les Tanguay et autres qui ont fait ces bâtiments qui sont devenus des sortes d'icônes du Japon étaient conçus par des gens qui avaient à peine 40 ans et à qui le Japon, en quelque sorte, a confié les clés de la baraque. Ce que le Japon de 2020 n'a absolument pas fait. Il n'a confié les clés de la baraque à aucun architecte, ou seulement à Kuma pour, en partie, une sorte de... En fait, Kuma a travaillé, mais il y a aussi une énorme influence de Taisei, d'entreprise de construction sur ce bâtiment-là. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre, pour l'écologie, écoutez, je peux vous donner du concret, je répondrai que quand moi, j'arrive à mon école, mes étudiants, qui sont donc des gens qui ont entre 18 et... Non, parce que ça, c'est des étudiants de maîtrise, c'est des gens qui ont 23, 24 ans, 25 ans, la première chose que font tous mes collègues architectes, professeurs et tous les étudiants, c'est d'allumer la lumière. Alors, nous habitons dans un bâtiment entièrement vitré qui ne demande aucune lumière. Et donc, l'attitude vis-à-vis de l'écologie, je la vois mal formulée, même par des actes du quotidien, sans rentrer dans même la production de nos projets futurs. C'est que les jeunes architectes sont déjà dans l'ignorance, je dirais, du simple geste qui sauve quelques watts. Par-ci par-là, quand c'est multiplié par 127 millions de gens, ça fait beaucoup. Et je dirais qu'il y a une conscience très faible des étudiants au niveau de ces problèmes d'écologie. Je parle d'une école, je ne dis pas toutes les écoles, il y a des professeurs qui parlent d'écologie. J'ai un collègue à moi, nous sommes quatre à Shinikan, un d'entre nous, nous sommes quatre, il y en a un qui est vraiment dans l'écologie et qui ne parle que d'économie d'énergie et de bâtiments à énergie zéro, etc. Donc, ce n'est pas un débat qui n'existe pas. C'est un débat qui existe dans la profession, avec des réglementations qui commencent à parfois être juste pas des impositions, mais de l'information, et puis les impositions commencent à apparaître. Donc, il y a quand même une prise de contact, ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, mais ça reste encore très ambigu. Ce n'est pas encore quelque chose qui est autant qu'en Europe dans le discours des architectes, je dirais aujourd'hui. Il y a des architectes qui en parlent, il y a des architectes qui font des bâtiments, effectivement, qui tiennent compte de l'écologie. Ce n'est pas encore un discours dominant, pour ce que j'en sais, dans l'architecture d'aujourd'hui. Je pense que ça peut varier et évoluer relativement vite, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il y a, je ne dirais pas un retard, parce que je n'aime pas ce genre de mot-là, dire qu'il y a un pays ou une zone du monde qui est en retard sur l'autre. Mais je pense quand même qu'il y a effectivement, au Japon, c'est pas, dans le Japon de l'architecture, ce n'est pas un discours encore très, 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 très,
très, très, très, très, très centrale. Quand on voit les architectes qui sont, dont on a parlé aujourd'hui, hein, les Sanaa et autres, c'est des gens qui, personnellement, enfin, ou Ishigami. Ishigami fait des bâtiments dans lesquels on voit toujours des floraisons, des fleurs, mais je veux dire, c'est des bâtiments qui n'ont absolument rien à voir avec l'écologie. Ils sont complètement anti-écologiques. Même si on voit une vision, surtout sur les très beaux dessins et les maquettes qu'il fait, admirables, on a une vision complètement fausse de ce qu'il produit. Voilà, donc même des gens, même chose pour Fujimoto. Enfin, je ne suis pas là pour leur tirer de dessus, hein, mais c'est pour dire que c'est pas encore un discours qui est central. Par rapport aux deux questions posées justement qui étaient différentes, mais qui pour moi sont un peu associées, la question de la relation à l'écologie ou à l'environnement, l'éducation, je pense que si on le rejoint aussi avec la relation à la société ou à ce qui est commun ou un travail en collectif, ce sont peut-être des attitudes qui sont transversales et qui incluent peut-être aussi la considération de la femme ou des enfants dans la société. Oui, ton commentaire va dans le sens de la question justement qui travaille aussi les architectes, du rôle de l'architecte dans la société. Enfin, on sent bien que ça les travaille, qu'il y a une très très grande fragilité, voire une exclusion des grands projets publics. Hein, l'exemple des Jeux Olympiques que Manuel a cité est parlant. Peut-être, justement, ce sont des architectes qui travaillent sur la réhabilitation. Cette question de l'environnement, elle apparaît peut-être à travers la réhabilitation et la réhabilitation du logement collectif ou des maisons en bois, des appartements, des choses très, très modestes qui ne sont pas patrimoniales. Ces questions-là justement de recyclage, de réutilisation, peut-être cet enjeu il se retrouve plutôt dans ces travaux-là. Bonsoir, ben merci jusqu'ici pour les échanges très enrichissants et la présentation. Donc oui, je voulais rebondir sur ce que disait Manuel Tarditz. Alors pour expliquer au public, donc en tant que chercheuse à la maison franco-japonaise à laquelle je reste associée, donc chercheuse de 2017 à 2021, août, j'ai participé en tant que membre du comité éditorial et de lecture à la construction de ce très beau numéro qui m'a intéressée par de formation. Donc, je suis géographe urbaniste. J'ai fait ma thèse sur la décroissance, enfin le vieillissement des espaces périurbains au Japon. Et bon, mes souvenirs d'architecture, alors de l'architecture, j'en ai appris, j'en ai un peu enseigné quand j'étais à Terme et puis quand j'étais au magistère aménagement et urbanisme de Paris 1. Et donc, quelque chose qui, enfin, quand on est dans les études urbaines et qu'on a le point de vue des géographes, ça, enfin, on voit un peu mais quand on fait ce qu'on appelle une formation en urbanisme, qu'est-ce qui, en fait, fait l'urbaniste par rapport à l'architecte? Je me rappelle que déjà à l'époque, quand je faisais ma formation en jeune étudiante, c'était un point d'achoppement, une grande question, un point d'achoppement. Et sur ce point, ce numéro m'a vraiment intéressée parce que, justement, dans la pluridisciplinarité que nécessite la construction de la ville, qu'est-ce qu'on apporte chacun et les points de vue qu'on a. Et bon, après, en tant que chercheuse en urbanisme, je vois quels sont les grands thèmes dominants, alors notamment en études urbaines critiques, parce qu'en travaillant sur la décroissance urbaine, je travaille beaucoup avec des géographes critiques. Et il y a ces débats dominants sur ce qui est notamment en France, parce qu'en fait, Manuel parlait la question, enfin non, et de l'exclusion de la commande publique, c'est ce qu'on appelle la néolibéralisation des politiques urbaines, donc des politiques publiques pour améliorer, par exemple, le droit à la ville, la santé en ville, l'environnement en ville. Et quelque chose qui, en fait, en lisant le numéro et que je voyais dans ce que disaient, en fait, les auteurs, et notamment sur le changement des pratiques et du rôle des architectes, on voyait cette question, alors, de la formulation de contraintes, du rapport au cahier des charges, du rapport à des entreprises de construction et aux commanditaires. Et je pensais notamment à l'article qui parlait des architectes japonais travaillant en France, où par exemple, il y a les jeunes architectes, le dernier, pardon, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais on voit qu'ils ont participé au fameux Arbre blanc de Montpellier. Et au fond, ce qui est peut-être pas, je pensais, c'est parce que c'est un mot qui a été surutilisé, c'est au fond la question du néolibéralisme, donc de l'utilisation en fait des politiques urbaines et notamment de l'embellissement des cadres urbains pour faire avancer des agendas qui consistent à rendre les villes compétitives au détriment justement, avec un risque de grosse production d'inégalités à travers la gentrification. Au fond, la manière dont
architectes, que ce soit des Japonais travaillant au Japon, des Japonais travaillant en France, leur rapport notamment à ce qu'on appelle aussi la financiarisation, la promotion immobilière, leur sentiment par rapport peut-être à des visions progressistes dont ils ont pu hériter de leur maître, qui n'arrivent pas à mettre en œuvre du fait des contraintes. Je me disais qu'en fait, ça avait peut-être été un point d'ouverture du numéro. Je m'étais demandé, finalement, on voit peu ces bon, parce que le mot, enfin, notamment, il y a ces grands mots qui appartiennent plutôt aux études urbaines critiques, et je pense aussi à la science politique. Mais cette question de la conscience des architectes par rapport à leur capacité à lutter contre la production des inégalités en ville et des villes qui deviennent peut-être inégales, je me demandais ce que vous en aviez pensé, vous, notamment dans ce que vous appreniez et regardiez des œuvres des architectes que vous avez étudiées. Pardon d'avoir été longue, je voulais le remettre en contexte. Sophie, merci pour cette question. Peut-être, à la fin. Oui, voilà, on refera un tour de table par rapport à cette question, en effet, qui est fondamentale, qui est évoquée hein, dans des articles des Japonais, par exemple, comme l'article de Funo. Il aborde cette question économique. C'est vrai qu'après, c'est abordé d'une autre façon, d'une façon un petit peu plus indirecte, disons. Mais on va d'abord peut-être laisser la parole à François Bizet et on reviendra à cette question. Oui. Merci Sylvie, merci à tous, merci à tous ceux qui ont participé à ce numéro spécial des Bissous, dans lequel je suis très honoré de figurer en tant que non-architecte. Enfin, je suis peut-être architecte, mais dans une autre dimension, dans la dimension de l'écriture, enfin en tout cas je l'espère, comme vient de le dire Sylvie. Un texte est paru il y a 3 ans qui s'appelle « Dans le Mirador » et qui, comme son nom l'indique, est un texte sur un tout petit espace très exigu mais qui a tendance à augmenter de façon un peu inquiétante. Voilà, alors, moi j'ai bien peur de... Alors évidemment, je m'associe à tout le monde pour louer les qualités nombreuses de ce numéro où j'ai qui m'a donné le qui m'a permis de revoir un peu ma chronologie qui était bien lacunaire de faire connaissance avec pas mal de notions de mouvements d'architecture moderne et bon, tout ça a été vraiment pour moi très instructif. Alors, je n'ai aucune expertise fine à proposer, comme celles qui ont été égrenées tout au long de cette table ronde. Et en plus, j'ai bien peur de ne pas avoir joué vraiment le jeu du numéro, puisque il est question dans mon texte d'un seul architecte, et qui plus est indissociable d'une artiste, donc Naito Rei, et en plus je ne parle que d'une réalisation de ces deux personnes, donc c'est vraiment très très concentré sur un objet, disons, sur un objet architectural. Un objet architectural et aussi sur son environnement. Ça, je tiens à. Enfin, je pense que ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Alors, on s'est demandé si c'était un bâtiment ou une œuvre. Si je peux répondre en un mot à cette question, moi, je pense que c'est plutôt justement une œuvre à part entière. C'est ce qui m'a intéressé dans cette œuvre. Teshima Art Museum, comme on le dit officiellement, c'est qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas dissocier le bâti de l'œuvre à voir. Voilà. Alors, donc toutes ces contributions, moi pour ma part, m'ont permis d'y voir un peu plus clair dans pas mal de choses, et je vais dire 2 ou 3 choses très simplement. Hein. La première, c'est que il naît des questions à l'intersection de plusieurs articles.
Ça, c'est très intéressant, évidemment. Non pas que les articles se contredisent, mais par exemple, lorsque on entend dans beaucoup d'articles que l'enseignement académique de l'architecture a occulté durablement jusqu'à aujourd'hui la tradition japonaise, tradition de l'architecture de bois, etc., en privilégiant les conceptions occidentales, eh bien, ça vient télescoper d'une certaine manière ce que dit Olivier Mestre au début de son article lorsqu'il rappelle que le même enseignement est marqué par la relation maître-disciple et par l'espèce de déférence à une figure tutélaire. Alors, bon, c'est une question qui peut se poser. Comment articuler les deux mouvements qui semblent au départ contradictoires, mais qui font peut-être l'originalité de l'architecture au Japon, en tout cas de l'enseignement de l'architecture. D'autre part, les questions naissent aussi à l'intérieur d'un article, d'un seul et même article. C'est le cas, par exemple, dans celui de Manuel Tardy. Je ne sais pas si on dit Tardit ou Tardy, je ne sais pas. Lorsque vous parlez de ce refus d'alignement des bâtiments entre eux et de la différence des prospects, bon, voilà un mot que j'ai appris à l'occasion, et je me suis demandé dans quelle mesure on pouvait articuler là aussi cette liberté formelle dont vous parlez, et qui est plutôt sympathique, enfin plutôt intéressante, avec le sentiment de désordre que nous avons, nous peut-être occidentaux, et je me suis demandé si ce désordre était pour vous réductible à ce qu'on appelle par ailleurs le junk space. Parce que moi, c'est un peu ce qui me vient lorsque je voyage au Japon, dans certaines villes. C'est vraiment l'impression d'une désorganisation, d'un chaos, comme vous voulez, même si le chaos peut être beau. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis, j'avais une dernière question à la lecture de l'article de Funo Shuji, qui n'est pas là, et peut-être que quelqu'un pourra répondre à cette question. C'est l'emploi du mot, de l'adjectif humaniste dans la première partie de l'article, lorsqu'il parle après la guerre d'une architecture humaniste, dans la mesure où, après les destructions massives de la guerre, les autorités ont voulu donner un logement à tout le monde. Voilà, je me suis demandé si cet adjectif était un mot qui avait été employé à l'époque par les architectes ou par les autorités, ou si c'était un mot qui venait plutôt de la culture occidentale. Donc, merci beaucoup, François. En effet, ton approche, ton regard, puisque tu n'es pas architecte, légèrement décalé, mais en même temps très sensible et très intéressé, pour nous, je pense que c'est très intéressant. Alors, je laisse la parole. Donc, on a plusieurs questions, hein. On a cette question donc, du rapport entre Occident et des formes de tradition nationale, de tradition constructive japonaise. Ce rapport donc, on peut mettre en parallèle avec un rapport maître-élève. La question donc, de la liberté formelle, mais du résultat qui s'apparenterait éventuellement au junk space, est-ce que vous accorderez sur l'usage de ce mot pour parler de la ville japonaise, donc un mot qui fait référence à Rem Koolhaas. Et puis, donc, ce terme d'humaniste. Et puis, on a la question précédente donc, de Sophie Muni, qui est de la question donc, du néolibéralisme dans les villes et de la difficulté des architectes à pouvoir exister dans ce modèle de développement urbain néolibéral. Donc, je laisse ouvertes ces questions. Et donc, parmi les contributeurs, juste
c'est quelque chose qui m'a intéressée, ça serait par rapport à cette idée de l'identité nationale. On voit que c'est quelque chose qui traverse plusieurs articles. La question de la japonité, de la japonitude, de l'identité de l'architecture japonaise. La japonité, dans mon article j'en ai parlé, j'ai en quelque sorte laissé la question ouverte, parce que je crois que c'est une question qui est sans véritable réponse. Et je pense que d'une certaine manière, Salvatore et Aya, dans leur article, ont la même conclusion, c'est-à-dire qu'ils montrent quatre architectes japonais avec des carrières et des formes de pensée et des façons de vouloir se trouver une carrière avec des réponses extrêmement différentes et qui touchent effectivement forcément à la japonité, c'est-à-dire la façon dont les Japonais sont vus en France. Pourquoi est-ce qu'on va demander à un architecte japonais de travailler en France, comment les Japonais sont vus de l'extérieur quand on vient les voir au Japon. Donc, ça pourrait faire l'occasion d'un débat de 3 heures, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais juste dire que c'est une question qui, moi, me taraude un peu, mais qui est sans réelle réponse, ou qui est à multiples réponses et réponses, je dirais. Oui. L'autre chose, c'est l'autre... Juste, je dirais, excuse-moi Manuel, voilà, par rapport à ça, il y a une multitude de japonités. On a vu qu'il y avait une multitude de formes d'architectes, enfin de travail de l'architecte. Il y avait une grande hétérogénéité des situations. Même les quatre en France sont complètement différents. Et peut-être de la japonité, les imaginaires du Japon, dans la réception aussi, sont multiples, en fait. Voilà, je te laisse continuer. Non, tout à fait. C'est effectivement ce que je voulais dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'autre, c'est sur le junk space. Bon, junk space, c'est fait de l'anglais. Effectivement, quand François Bizet est passé au français, il a parlé de chaos. Donc, je pense que ça n'a pas tout à fait le même sens, mais c'est quand même assez proche quelque part. Donc, je répondrai plutôt à la question du chaos plutôt qu'au junk space, à laquelle je suis moins à l'aise. Ce que je disais dans mon article, je crois, c'est qu'en fait, le chaos n'existe pas. C'est une façon de voir les choses. Et qu'est-ce que c'est que le chaos? C'est juste simplement des gens qui comparent à une autre réalité qu'ils connaissent. Les Japonais eux-mêmes, bon, les architectes, oui, peuvent en parler parce qu'ils ont une connaissance d'autres lieux. Mais si on parle avec quelqu'un qui n'est pas architecte, oui, il ne voit pas la ville japonaise ou son quartier comme un chaos. Il le voit comme son quartier. Ça, c'est une première chose. Je pense surtout, ce qui est plus important pour nous, c'est que là, ce que je voulais dire avec mes heures de prospects, de réglementation et d'alignement ou de non-alignement, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un débat long, c'est de dire que la réglementation japonaise, car la ville japonaise, il faut le dire, est très régulée, il y a plein de réglementations au Japon. Ce n'est pas du tout une ville sans réglementation, comme souvent les gens le pensent. Les architectes français qui viennent au Japon pensent souvent que c'est une ville dans laquelle il y a peu de réglementation, ce qui est entièrement faux. La réglementation japonaise, en quelque sorte, organise le chaos. Enfin, disons la vision que nous en avons, nous, étrangers, qui est celle d'un chaos visuel. Bon, ça peut paraître un peu comme ça paradoxal a priori, mais la réglementation est très forte. Elle laisse, disons, à chacun la façon, la manière de répondre à la réglementation. Si je prends juste un petit exemple, vous devez avoir un prospect de temps sur une petite maison, une petite parcelle. Eh bien, si vous avez un gars qui vient s'installer à côté, il a également la même réglementation. Simplement, ben, il y en a un qui va mettre sa maison un petit peu en recul et qui va faire un toit plat, l'autre qui va faire un escalier pour arriver à rentrer dans le prospect. Chacun va traiter la réglementation qui l'oblige de manière différente. Donc, réglementation forte et imposante et en même temps, grande liberté d'y répondre. À propos de l'humanisme, Amira a mis une petite note pour dire que Funo utilise en katakana humanisme, le terme. Oui. Alors, sur ce qui a été dit, Benoît, oui? Oui, je voulais revenir justement là-dessus. En fait, Funo cite Hamaguchi, et Hamaguchi donc, qui est critique et historien de l'architecture, écrit à cette époque une histoire de l'architecture où il emploie justement le terme humanisme en katakana. Il y a une autre personne qui parle de ce terme, mais qui traduit par Jinrigaku, donc plutôt lié en fait à l'anthropologie, qui est Fujimori,
Et donc, dans le texte de Muramatsu, donc ça, là, c'est pour revenir à cette question de la japonité, Muramatsu dit qu'il y a deux architectes dans sa génération qui parlent beaucoup du Japon. C'est Kuma, d'un côté, qui a une grosse production et qui fait du japonisme, et Fujimori, mais qui parle d'un Japon peut-être plus archaïque, sans tatami, etc. Donc voilà, la question. Ensuite, il y avait la question de Sophie Bunick, qui est assez importante. C'est vrai que l'architecte, les architectes dont on parle, hein, ce sont surtout des designers. C'est-à-dire que l'architecte au Japon, sauf s'il est urbaniste, sauf s'il est développeur, sauf s'il fait aussi de l'immobilier, a assez peu d'influence sur la société de manière sociale, puisqu'on lui demande surtout de dessiner des choses. Donc, ceci dit, ça n'empêche pas certains architectes justement d'être, comme l'expliquait Funo, d'être plutôt investis dans de discuter avec les gens dans les quartiers, d'être dans le développement communautaire. Et puis un autre point, alors là c'est pas lié à ça, mais c'est une question qui se posait entre la Suisse et la France sur le sort des ateliers d'architecture japonaise. C'est vrai qu'en France il y a une hospitalité qui est assez forte par rapport à ça, puisque comme disait Salvatore, il y a peu d'architectes à sa connaissance japonais qui sont installés en Suisse, mais il y en a beaucoup en France. Et je vois que Franck Salama est connecté, et Franck Salama aide aussi à leur donner des diplômes, puisque Kuma et Fujimoto sont diplômés maintenant de l'ESA et sont essentiellement les premiers. Voilà, donc ça c'est une petite boutade pour finir. Oui. C'est intéressant pour répondre effectivement à la question de Sophie Bunick sur le néolibéralisme, comment effectivement les forces économiques néolibérales donnent forme à la ville. À Tokyo, on sait bien que, si je pense à Roppongi Hills ou des autres interventions qui sont faites, elles sont devenues des études des cas, nous savons bien que s'il y a un intérêt d'un marché, il y a aussi des investissements économiques importants qui arrivent à transformer la ville de manière définitive ou pour une certaine période. Et pour ce qui concerne le marché au Japon, nous avons bien vu qu'il y a des écoles qui font jusqu'à 2000 architectes, ingénieurs employés. Le marché de la construction en France est totalement différent. On a vu qu'effectivement, il y a plutôt une manière artisanale d'entendre le travail d'architecte. Parce que si encore en Angleterre, donc jusqu'à côté au Royaume-Uni, il y a des cabinets d'architecture qui emploient jusqu'à 1000 architectes comme Norman Foster, ou comme Zahid, les plus grands groupes, les plus grands cabinets d'architecture en France, je pense à Jean Nouvel, il ne dépasse pas les 200 architectes. Donc il y a vraiment une manière, et on l'a un peu grâce aussi à toutes les statistiques, à tous les chiffres, que grâce à Corinne, nous avons pu utiliser dans notre article, nous avons bien vu que 70% des cabinets d'architecture en France, ils ne dépassent pas les quatre effectifs. Donc il y a vraiment une manière différente d'entendre les métiers d'architecte. Et ça, c'est lié aussi à des politiques néolibéristes, je dirais. Et il faut dire qu'avec les dernières inventées Paris ou les derniers dispositifs que à Paris, mais aussi en France, ils sont utilisés pour faire de l'architecture, on a encore à nouveau une érosion de l'importance que le métier d'architecte a aujourd'hui dans dans cette rôle un peu social de participer à la production de l'architecture publique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, les parallélismes entre la mise à concours, les appels d'offres qu'il y a comme dispositif pour faire de l'architecture publique, ils sont différents par rapport à la France et au Japon. Et le fait qu'il n'y a pas des gros cabinets américains ou anglais en France, mais il y a des cabinets japonais, d'architectes japonais qui viennent en France, ça correspond un peu aussi à la taille. Parce que le cabinet de Kuma, même au Japon, il a fait 150 architectes. Ici, à Paris, il fait 30 architectes. Donc, il y a une sorte de correspondance entre cette manière artisanale de voir l'architecture, entre des ateliers,
donc des architectes indépendants japonais qui viennent s'installer en France, parce que ça, c'est la composition du marché français. Juste une anecdote qui est parlante et à la fois amusante sur le rôle social de l'architecte. Et ça peut parfois être au sein de la même personne. Ito Toyo, enfin, Toyo Ito, comme diraient les Français, a été très choqué, comme beaucoup de gens, architectes y compris, par les problèmes du Tohoku après l'épouvantable désastre de 2011, qui était donc à la fois dans un tsunami, un tremblement de terre et une catastrophe nucléaire. Et il y a eu toute une opération qu'on a appelée les maisons pour tous, Minanoye. Il lui-même, en quelque sorte, en a fait, il en a dessiné une ou deux, et il a en quelque sorte abdiqué, je dis bien abdiqué, hein, son rôle d'architecte créateur. Il a voulu faire des bâtiments, quand on les regarde, bâtiments qui n'ont pas un intérêt au niveau de l'expression, hein, je parle de l'expression architecturale, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais c'est très consenti de sa part. Il ne cherche pas, à faire assaut de nouveautés, il cherche à faire des bâtiments très consensuels qui peuvent être compris par un public très local avec des moyens réduits et des gens qui ne connaissent pas et qui n'ont pas d'intérêt particulier pour l'architecture, qui sont seulement des victimes d'une épouvantable catastrophe. Et donc, il ne cherche pas à leur faire la démonstration de l'architecture contemporaine. Par ailleurs, le même Toyo Ito avait été le promoteur d'une maison pour tous qui a été très, très, très publiée, qui a été à Venise, qui a eu un grand prix à Venise, qui était celle faite par trois jeunes architectes, dont Fujimoto, et donc Hirata aussi, qu'on a cité tout à l'heure, et qui est une sorte de construction avec des faux arbres, enfin des vrais arbres, mais qui ont été repris dedans, donc une sorte de construction un peu sculpturale, et qui pour moi n'avait pas beaucoup de sens, à part le fait que c'est une expression assez contemporaine et assez, assez amusante. Mais par rapport aux gens du lieu, je me demandais bien ce que les gens du lieu pouvaient en penser. J'en pensais moi-même du mal. Je pose la question à Ito, qui me répond, je lui dis, comment est-ce que vous pouvez travailler sur les deux tableaux? Il y en a un dont vous faites assurer la promotion de jeunes architectes qui font ça, et vous, de votre côté, vous abdiquez en quelque sorte, selon vos propres mots, votre rôle d'architecte promoteur de nouvelles images. Et il me dit, mais en fait, ben, c'est très simple, les trois jeunes architectes là, en fait, ils font la promotion à l'étranger pour le Tohoku, mes bâtiments à moi, pas spécialement. Mais ce bâtiment-là, il a eu un prix, donc il y a beaucoup de gens qui, en voyant ça, se posent la question, vont voir le Tohoku, vont essayer de... Ça va faire, entre guillemets, du buzz, me dit-il. Donc, voilà. Donc, au sein d'une même personne, il y a cette attitude ambivalente sur le rôle social de l'architecture et en même temps, ce qui fait partie, je dirais, du rôle médiatique de l'architecture. Il n'a pas répondu à mes questions de savoir s'il aimait ou non le bâtiment pour lui. Je ne sais même pas s'il avait un intérêt, s'il aimait lui-même ou non le bâtiment, disons qu'il voyait le rôle de chacun et que je pense que c'était un peu la façon dont il envisageait les différents aspects de l'architecture et ses différents rôles. Voilà. Moi, je retiens un point principal qui me donne envie de faire un autre numéro. C'est bien sûr la multitude de facettes de l'architecte japonais, mais pas forcément japonais d'ailleurs aujourd'hui, qui ouvre des nombreuses questions sur les pratiques professionnelles face aux grands enjeux de notre temps. Un point tout à fait particulier que j'aimerais approfondir d'ailleurs, l'opportunité se présente, c'est justement la question de la formation, la formation des architectes au Japon par rapport à leur rôle social, puisqu'on peut voir ici ou là dans certaines universités des créations de départements qui justement mettent au centre des questions de machisori ou de ce rôle social au sein des communautés habitantes. Et je pense que ça n'est pas forcément bien connu ou très connu hors du Japon, et je me disais que c'était peut-être un sujet de recherche intéressant à creuser pour comprendre encore davantage l'évolution du statut et du rôle de l'architecte japonais. Oui,
Oui, et avant de repasser la parole à Yann qui pose la main, je voulais aussi dire qu'il y a deux textes dont on n'a pas parlé, mais qui sont ton texte coréen, donc d'introduction, qui permet aussi d'avoir un peu un élément du contexte, et celui de Sylvie qui vient à la fin et qui donne un autre élément de contextualisation. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir les avoir en tête comme des modalités d'analyse et de donner accès à des points de réflexion, à des points de critique. Yann ? Oui, en fait, je voulais juste citer en fait un travail de thèse qui, étonnamment, n'est pas souvent mentionné, mais qui, d'après moi, a un intérêt par rapport à ce que vient de dire Corinne. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Alban Manizi, qui a fait un travail justement sur la question de la participation au Japon et dans le projet, entre autres, de paysage. Et comment il y a eu une évolution sur ces questions-là. Donc, c'est quand même une thèse qui étudie des exemples de plusieurs personnes qui font le travail de la participation au Japon. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. En fait, cette thèse, étonnamment, je ne la vois jamais mentionnée. J'ai vu des numéros dernièrement sur ce sujet-là, mais je ne voyais pas la thèse mentionnée. Alors que d'après moi, c'est quand même un élément assez intéressant, je crois. Il y a beaucoup de données dedans. Qu'on voit apparaître aussi dans le numéro, les articles par exemple de Funo ou d'autres personnes, c'est une note un petit peu pessimiste en fait. Finalement, les résultats sont tellement modestes par rapport à l'échelle des problèmes et par rapport à la capacité, on a parlé des Enecomptes, donc des sociétés de construction, de leur puissance de feu que Salvatore a évolué, a évoqué. Donc, on sent que cet effort de participation existe en effet, mais ça reste vraiment très, très difficile à faire, à élargir.